Salut à tous, c'est Valentin de Cheval Racing. Aujourd'hui, dans ce nouveau tuto MX Moto Blues, on va voir ensemble comment changer son pneu, mais bien sûr sans machine. Tout d'abord, il vous faudra un pneu, une chambre à air de secours ou un bimousse, des démontes pneus, minimum 3, une paire de gants, un démonte obus, un produit gras type WD-40. Enfin, un set de clés qui vous permettra de desserrer le dipstick. Tout d'abord, commencez par démonter votre roue. Si besoin, référez-vous au tuto Kitchen, car ici on le fera sur une roue déjà démontée. Première étape, desserrez l'obus afin de dégonfler votre chambre à air et desserrer le dipstick. Ici, nous allons faire sans machine, car tout le monde n'en possède pas une. Placez votre roue à plat, au sol, et faites pression dessus afin de décoller le flanc du pneu de la jante. Une fois décollé, vous pouvez appliquer un produit type WD-40 qui facilitera le démontage. Et c'est maintenant que la guerre commence. Placez vos démonte pneus. Le plus pratique est de prendre comme point de repère la valve ainsi que le gripster afin de placer 3 à 4 démonts pneus. Attention à l'état de vos démonts pneus, histoire de ne pas abîmer la jante ou de crever la chambre à air. Faites le biais avec les démonts pneus afin de sortir le premier flanc du pneu. Réitérez l'opération en vous décalant sur la jante au fur et à mesure. Vous pouvez maintenant retirer la chambre à air. Redressez votre roue avec comme point de repère le gripster au sol. Passez un démonte pneu entre le pneu et la jante afin d'accéder au deuxième flanc, puis faites levier afin de sortir le pneu. Au besoin, aidez-vous à l'aide d'un marteau pour frapper sur le flanc du pneu. Petit conseil, remontez l'obus de votre chambre à air et gonflez-le avant le remontage. Cela vous évitera de réitérer l'opération. De même, contrôlez et nettoyez le fond de jante et le remplacez si nécessaire. Grissez votre nouveau pneu avec de la crème de montage ou un produit gras type WD-40. Passons au remontage. Placez votre jante au sol, couronne vers le sol, pour éviter de vous blesser les mains. Placez le gripster dans le pneu et maintenant faites levier avec vos démonte pneus afin de passer le premier flanc. Le plus dur, c'est maintenant. Placez la valve de votre chambre à air. Pour cela, à chacun sa technique, voici la mienne. Une fois la valve rentrée, maintenant, vous pouvez mettre le deuxième flanc du pneu en commençant par le gripster. Une fois le second flanc en place, gonflez votre chambre à air. On croise les doigts pour que celle-ci ne soit pas crevée. Maintenant, vous pouvez resserrer votre gripster, vérifier votre pression et il ne reste plus qu'à remonter votre roue. Voilà, vous pouvez maintenant monter vos pneus vous-même et bien sûr sans machine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. On se retrouve bientôt dans des nouveaux tutos MX Moto Blues.